Bon, bienvenue dans ce nouveau blog vidéo, tout ce que vous voulez. Voilà. Vous avez eu ma vidéo de rendu hier, c'était celle de samedi. Merci pour tous ceux qui m'ont mis des messages de bon petit repos. Merci, je me suis bien reposée, mais ce qui a été aussi pour moi un petit travail niveau vidéo. Alors, d'un côté, j'ai essayé de démarrer une décoration un peu spéciale pour mettre quelque part sur la table pour dire de décorer. J'ai une hésitation sur certaines choses de décoration que j'ai vues à Lidl pour mettre sur la table. C'est soit je vais chercher ça à Lidl ou pas, parce que bon, si je veux chercher, il faut que je me dépêche parce que ça dure que 3 jours. C'est une décoration à mettre sur la table avec des bougies. Donc, c'est là à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Bon, hein? Alors, j'ai aussi une pommade que je voudrais bien aller chercher à la pharmacie parce que des fois, quand j'attrape des douleurs ici sur le bas de mon bras, ça me fait terriblement mal. Ce matin, j'ai eu terriblement mal. J'ai eu dur de bouger donc le brassier, j'ai eu dur de le lever. Jusqu'à maintenant, ça va un petit peu mieux, mais j'ai eu dur de le faire bouger. Tout dépend aussi, c'est comment moi je dors. Et tout dépend aussi comment moi je me mets. Moi qui a un coussin en forme de vague, je me mets, mais le seul problème qui se met de sur mon coussin en forme de vague, c'est le chat. Donc moi, j'ai la moitié du coussin pour moi mettre ma tête, et l'autre moitié, ben, je suis en dehors du coussin. Encore heureux que maintenant, c'est comme vous avez déjà vu, je mets 2 coussins car mon chat aime bien se mettre sur le coussin en forme de bosse. Bon. Là, maintenant, je suis en train d'écouter les infos. Dès que les infos sont finies, je vais aller m'habiller pour aller chercher ce que j'ai besoin, donc ce que je vous ai dit. Et je vous montrerai, bien sûr, ça. Alors, hier, j'ai pas chômé, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas chômé. Je n'ai pas chômé car j'ai fait toutes mes petits trucs comme ceci. Hein, il y a un côté doré et un côté non doré. Voyez, j'ai fait tout ça. Je les ai tous faits. Ils sont tous là. J'ai fait aussi le rond. Le rond qu'il y a dessus pour coller. Donc je vous montrerai tantôt comment ça doit être. Hein. Tokyo, Tivaro, en plus, c'est des belles couleurs. Évidemment, avant le confinement. Donc, je vous montrerai comment je vais les coller. Parce que logiquement, on dit ainsi qu'il faut les coller avec un revolver sur le. Sur le carton en rond. Mais bon, moi, je ne vais pas le faire avec avec le revolver. Je compte le faire avec une colle normale. J'ai replié ma tonne de linge que vous voyez, que vous voyez là, j'ai replié cette tonne de linge là, c'était les linges que j'ai fait hier, que j'ai lavé hier, je les ai déjà repliés, il n'y a plus qu'à les mettre en haut dans la chambre. Ma fille a replié toutes les masses de linge, vous vous rappelez de la masse de linge que je vous ai montré l'autre fois? Ma fille a tout replié, il y avait deux grosses mannes de linge, elle a tout replié. Ça, c'est la manne de linge que moi j'ai fait, que j'ai replié aussi,
que j'ai lavé hier et que j'ai replié. J'ai une tonne de vaisselle à mettre dans le lave-vaisselle parce qu'hier, je vous dis, j'étais crevée, j'étais pas bien. J'ai passé une de ces soirées, c'est-à-dire de ces fins de soirée, vraiment catastrophique. Je vous explique après. Et encore heureux, j'ai eu bien fait de ne pas filmer. Donc j'ai tout ce que vous voyez là à remettre, voilà. Donc dans l'évier là, c'est rempli de vaisselle à mettre dans mon lave-vaisselle. Je le mettrai dans mon lave-vaisselle, ça ira déjà un petit peu plus vite. Je dois aller mettre ça écrasé côté carton. Alors, j'ai ce qu'il y a là et ce qu'il y a là à remettre à place. Et tout ce qu'il y a là, il n'y a pas beaucoup, vous voyez. C'est à simplement que je vais mettre dans mon lave-vaisselle. Parce que je vous dis, je ne suis pas fort bien. J'ai attrapé une de ces je me sens oppressée, vous voyez. Donc je me sens vraiment pas bien. Alors je vais vous expliquer pourquoi je me sens vraiment pas bien. Donc, que je me suis sentie pas bien hier. C'est pas aujourd'hui, c'est hier. Aujourd'hui, je me sens déjà un petit peu plus mieux, donc j'ai pu au moins respirer un peu. J'ai pu arrêter d'avoir cette envie d'égurgiter ce que je mangeais ou quoi. Autant vous dire, tout a commencé, c'était hier. J'avais acheté un jour ou l'autre des cacahuètes au chocolat. Ouais, au chocolat à Lidl, mais c'était pas les mêmes comme j'achète au praline. Bon. Le premier jour que je les ai achetés, ben je vais vous montrer, j'ai encore un paquet de ces paquets. De ces paquets-là, j'ai encore un paquet. Donc j'ai mangé. C'est pas ici. Merci beaucoup d'être venu. J'avais acheté un paquet comme ça. Vous voyez, ceux-là. À Lidl. Premier jour, c'était tellement bon. J'ai mangé tranquille, c'était bon. J'ai continué à manger. Le deuxième jour, qui était malheureusement hier, je continue à manger. Et tout à coup, c'est comme ça. Il y avait un goût, mais vraiment dégueulasse. Je me dis, je mets mon nez dans le paquet, je dis ça sent ce chocolat, et je dis, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les cacahuètes qui puent comme ça? Pourtant, j'avais bien fermé le paquet et tout. Hier, il n'y avait pas ce goût-là, rien du tout. Comment ça se fait que c'est dégueulasse? Je ne sais pas si vous avez déjà eu une impression ainsi de manger quelque chose et qu'après, c'est dégueulasse. Hein, ben bon. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. D'habitude, quand j'en mange, il n'y a pas ça. Bon. Donc, j'avais mangé un peu ceux-là. Et puis, j'ai mangé les autres cacahuètes que je vous ai déjà montré. Les petits paquets de cacahuètes au caramel, paquet orange au caramel que j'avais acheté au Lidl. Et comme par hasard, donc je mange le paquet complet. Et ça allait tout. Mais je me dis en moi-même, est-ce que je l'ai mangé trop vite ou pas? Je n'en sais rien. Donc j'ai mangé ce paquet-là. Et alors à un certain moment, je monte pour aller coucher parce que j'avais fini. Ça faisait longtemps que j'étais sur le PC, que le paquet était fini. Ça faisait longtemps. Et je monte en haut parce qu'il n'y avait plus rien à la télé. Il n'y avait que des conneries. Autant vous dire. Je me dis, je vais monter en haut et regarder un film sur Netflix, sur ma fameuse tablette. Donc, je commence à mettre ma tablette, je commence à sentir une de ces douleurs. Mes douleurs, je ne vous dis pas, ça faisait mal. J'ai dû aller, vous savez où, et ça m'a passé.
d'un coup direct. Ça veut dire ce que j'ai mangé, ben, c'est repassé. J'ai rien compris. Quand ça est passé, je suis retournée dans mon lit et j'étais en froid. Mais en froid, j'avais tout mon corps qui tremblait. J'avais peur d'attraper le virus, autant vous dire, j'avais peur d'attraper le virus. Heureux que moi je suis maniaque, je me lave tout le temps, rebelote, je retourne aux toilettes, et c'était Et depuis, ça a bien été. Par après, c'était la dernière fois, autant vous dire, mon chat avait peur. Il avait peur de me perdre. Il s'est mis à côté de moi, et là, il surveillait, il voyait que j'étais pas bien. Il levait, d'un côté, ça fait pitié quand vous voyez votre propre animal qui vous surveille et qui regarde, qui a peur qu'il vous arrive quelque chose, qu'il a peur que ça ne va pas, qu'il a peur que vous ne reveniez pas à vous. Vous voyez, vous avez déjà vu un animal qui a une crainte de vous. Eh bien, ce chat, que ce soit moi qui deviens malade, surtout moi. Niveau ma fille et mon fils, il s'en fout. Mais quand c'est moi, il est le premier à être à côté de moi. On dirait qu'il a une éponge vers vous. Eh bien, ce chat, il s'inquiétait pour moi. Mais bon, ça a quand même été, quand je me suis retournée dans mon lit et que j'étais en train de regarder le film, j'ai regardé le film, vous savez où? Là-dedans. Ben ouais. Puis ma fille, elle est venue à côté de moi, elle me fait « Maman, éteins tout et dors. » Donc j'ai tout éteint, elle a pris ma tablette, elle l'a mis au pied de mon lit et j'ai pu continuer à me rendormir. J'ai dormi une nuit incroyable. Mais je vous dis, j'avais mal partout, j'avais mal ma gorge ici, parce que c'est par là que ça est passé. Hein. J'avais mal ma gorge, j'avalais, j'avais mal ma gorge, j'avais mal ma tête, je tremble. J'étais vraiment ce qui s'appelle pas bien. Maintenant, je vous dis d'une chose, ça va mieux. Ça va mieux. Je suis une femme qui se sent bien, qui se sent remise, qui est moins en point qu'hier. Ouais. Ouais. Qui est moins en point qu'hier, mais... Ça va mieux. Ça va mieux. On peut dire que ça va mieux. Bon. Alors. Ici, je vais commencer. Ah bon? Tout à fait. Ils vont faire une émission de reportage sur la deuxième vague du coronavirus sur RTL TVI à 19h55. Il faut bien s'attendre à tout. Hein. Bon, je vais vous reprendre après. Je m'en vais déjà, je vais monter la manne en même temps de me monter pour moi aller m'habiller. Je vais, premier, avant de partir, je vais ramasser tout ce qui est dans mon évier que je vous ai montré, le mettre dans mon lave-vaisselle. En même temps, remettre toute la vaisselle à plat, comme ça je suis tranquille. Tout ce qui est pour jeter poubelle, je vais le prendre avec en même temps, comme ça, ce sera déjà côté poubelle aussi en même temps. Parce que moi, quand je vais au garage et que c'est pour mettre des toujours dans le lave-vaisselle ou la machine à essiver, j'essaie de tout embarquer ce qu'il y a ici pour mettre de l'autre côté. Ainsi, je suis tranquille. Ainsi, je suis qu'une fois le trajet. Voyez? Et si ça m'avance. Bon, je vous reprends après. Peut-être. Quand j'irai chercher les affaires, ou alors en chemin pour aller chercher quelques affaires, je vous prendrai avec. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Bon, je lui dis quoi après. Coucou les amis, j'ai fait mon retour de course, donc vous l'aurez. J'ai fait mon retour de course, vous l'aurez quelques jours, vous l'aurez demain. Comme ça, demain, je ne fais pas de vidéo, vous aurez mon retour de course.
Je bois un coup, j'ai soif. Je vais faire mon menu. Le menu que je vais faire, vous l'aurez vu dans le retour de course. Et donc là, maintenant, je vais vous le faire devant vous. Ça va être une soupe. Soupe de la courge. Alors, vous allez voir comme moi, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce sont des sacs. Allez, on va en Lidl. J'ai pris 4 sortes, parce que logiquement, il y a 5 sortes. Mais comme je vais chez mon papa, en allant chez lui, je vais quand même prendre ma caddie avec, on ne sait jamais. Parce que comme il est occupé à faire un grand nettoyage chez lui, on ne sait jamais qu'il me donnerait encore des choses. C'est comme je le connais, il serait prêt à me dire, hein, ça c'est pour ma fille, ça c'est pour ma fille, ça c'est pour ma fille, ça c'est pour ma fille. Bon, alors, dans ce petit ravier, il y a une pomme, un oignon, deux carottes, un butternut, ça je ne sais pas c'est quoi, mais c'est ce qu'il y a dedans aussi, hein. Deux cuits de bouillon, de l'ail que j'en ai, ça je ne sais pas c'est quoi, mais je n'ai pas. À mon avis, il faudra éplucher. Et une orange. Voilà, voilà. Donc, je vais lire la recette. On fait tout tomber. Je vais lire comment. Je vais regarder comment il faut faire. Et voilà, voilà. Au moins, ça change un peu de toujours prendre notre menu. Soupe de la courge. Je vais vous reprendre après, car je vais regarder via ma tablette comment il faut préparer soupe à la courge. Pour ne pas faire de bêtises, hein. Donc voilà, voilà, voilà. Et je vous reprends après. Allez, à tantôt. Bon, les amis, je vous reprends. Je vous ai fait la recette de la soupe au butternut, on va dire, hein. C'est plus facile pour moi. Donc je vous ai fait la recette, donc si vous la voulez la recette, vous l'aurez mercredi. Elle sera programmée pour mercredi, donc mercredi il y aura une recette, comme ça au moins moi je suis tranquille jusque mercredi. Donc vous avez, autant vous dire, vous auriez aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, vous l'aurez pour mardi. Ouais, pour mardi. Le retour de course, vous l'aurez mercredi. Mercredi. Et la soupe au butternut, vous l'aurez jeudi. Donc vous aurez 3 vidéos qui se suivent. C'est du bon matos, c'est du bon travail, la soupe. Un conseil que je vous donne, testez-la et essayez-la. Elle est le fruit et les légumes, c'est trop bon. Ah ouais.
avec lui, tout ça, mais c'est normal. Un menu comme ça, Yumi décide de en plein moment. Je me dis que c'est une réaction très mature. Du temps comme on a là maintenant, sans oublier l'épidémie. Oublier l'épidémie, oublier le coronavirus, oublier tout. Vous vous faites un menu, non mais écoutez-moi bien, vous vous faites un menu comme ça, hein? Vous vous faites un menu comme ça, tel comme je vous ai mis en vidéo, vous oubliez tout, tout, et je peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire parce que j'aime mieux vous laisser savourer et vous le faire et que vous le faites vous-même. Vous allez voir, vous allez tout oublier. La maladie, tout. Vous allez être dans le menu. Dans Orange. Ça me donne envie d'encore en prendre. Tellement que c'est bon. Et j'en suis qu'à mon premier bol. Et mon bol, il est là, il est vide. Hein. Et j'ai envie d'en taquer un deuxième. Mais c'est trop bon. C'est trop bon. Je ne peux pas finir. Qu'elle n'est plus amoureuse de lui et qu'elle ne compte pas. Vous pouvez pas comprendre. Son amie, mais un conseil que je vous donne, j'espère que vous avez intérêt d'essayer. Essayez ce menu. Essayez-le. Vous allez voir, mais purée, elle avait raison. Elle avait raison. C'est simplement qu'avec deux fruits, pomme et orange, le butternut, carotte, oignon, ail et gingembre. Et alors un cul de bouillon. Je n'ai mis qu'un queue de bouillon, j'en ai pas mis deux. J'ai mis qu'un queue de bouillon. De toute façon, allez voir la recette. Vous la verrez, la recette. La recette sera prévue pour jeudi. Oui, la recette sera prévue pour jeudi. Et vous verrez qu'à la place de mettre un queue de bouillon, de mettre deux queues de bouillon, j'en ai mis qu'un seul. Mais c'est trop bon. Vous savez quoi? Je vais vous laisser. Je vous reprendrai après. Je comprends. C'est trop bon. C'est trop bon. Je peux pas. C'est trop bon. L'opportunité de récupérer ces boudins en plastique dans les combles du bâtiment, ces anciens boudins d'isolation. Bon. On avait une chute de plexiglas. Il fallait trouver une solution et on a essayé de monter quelque chose qui fonctionne pour le bâtiment. Et dans l'ancienne chapelle du couvent, une tente désormais isole du froid. Les travaux de réhabilitation ne s'arrêtent jamais. Ici, un nouveau portail pour l'entrée de la condition publique. C'est ici, à l'époque, qu'on stockait la laine du monde entier. C'est devenu un lieu culturel. Je pense que ces lieux sont tellement habités d'histoire et de liens avec la ville que c'est des machines à fantasmes. Et c'est sous ce dont on a besoin pour être créatif. Et proposer des expériences inédites. Il est tout sec. Le plus beau témoignage du passé qui permet d'écrire l'avenir est celui de l'hôtel de ville de Roubaix. Oui, t'en as une. Il est tout sec. Voulu par l'industrie textile pour épater le monde. C'est ici que se trouvait notamment la bourse mondiale de la laine qui fixait le prix du textile à l'international. Et dans la salle Pierre de Roubaix, on y voit cette peinture qui célèbre le jour où la ville a obtenu la charte des drapiers l'autorisant à faire drap de toute laine, une histoire qui fait encore écho aujourd'hui. Oui, parce que je ne connais pas de ville de la taille qui a vu naître autant d'entreprises qui sont allées en... On te voit la moitié du nez du bout de la bouche, je regarde. Distribution, maintenant dans la technologie, et donc cet ADN-là, on l'a gardé et on l'entretient précieusement. Un ADN qui a notamment permis à l'entreprise OVH, elle aussi installée dans une ancienne usine textile, de devenir l'un des leaders mondiaux de l'hébergement de sites internet. Si vous connaissez l'histoire du phénix qui renaît toujours de ses cendres, alors vous connaissez l'histoire de Roubaix. Et comme tous les soirs, nous répondons aux questions que les Roubaisiens et les autres se posent. Bonsoir, ma chère Garance Pardigon. Bonsoir, Gilles. Première question, les cours de soutien scolaire à domicile sont-ils autorisés en ces temps de confinement? Oui, et retenez d'ailleurs que ce sont les seuls cours particuliers qui restent autorisés à domicile en ce moment. Alors concrètement, ça concerne qui? Eh bien, les écoliers, les collégiens, les lycéens, précision importante, dans le cadre des programmes scolaires. Regardez cette démonstration pratique. Vous pouvez faire venir chez vous une aide aux devoirs de maths. En revanche, pas de coach sportif pour vous, Gilles, et encore moins de leçons de guitare pour le plaisir le samedi matin.
Mais compliqué. Autre question. J'emploie une aide ménagère ou une garde d'enfants à domicile. Dois-je obligatoirement porter le masque chez moi en sa présence? Oui, surtout si vous êtes dans la même pièce. Parce que même si vous êtes chez vous, vous êtes aussi, de fait, sur son lieu de travail. Et en tant qu'employeur, vous avez une obligation de sécurité à son égard. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous devez tout mettre en œuvre pour protéger votre salarié du coronavirus, lui distribuer des masques et en porter un vous-même, sinon eh bien, votre responsabilité peut être engagée. Garant, je m'adresse à l'as du volant que vous êtes, 12 points de permis. Est-il possible de faire en cette période de confinement de la conduite accompagnée? Oui, mais attention, pas question de rouler pour rouler. Ce n'est possible que dans le cadre des déplacements autorisés, donc avec la bonne case cochée sur l'attestation, par exemple. Vous pouvez vous exercer sur le chemin des courses, sur le chemin du travail. Alors, c'est vrai que moi, j'ai dû beaucoup m'exercer, mais j'ai fini par avoir mon permis quand même. Mais oui, la chance sourit aux audacieux. Merci, ma chère Garance. Alors, vous pouvez évidemment nous envoyer toutes vos questions. Je vous rappelle l'adresse email le20h vous répond@tf1.fr, même ceux qui n'ont pas le permis. Sur LCI, juste après ce journal, vous retrouverez Amour, Meurtre et Mensonge, un document exceptionnel consacré à l'affaire Daval. Rendez-vous sur le canal 26, bien sûr. Et puis sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, avant votre téléfilm en deux parties, coup de foudre à Bangkok, il fait plus chaud qu'à Notting Hill. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut, je vous retrouve à 19h45 pour l'édition spéciale et à 20h pour votre journal. Bonne soirée à tous, merci de votre fidélité. À demain. Amis. Merci. Parce que moi, les m'avez vu. De leur mère, j'ai programmé ma vidéo, donc j'ai écrit tout le menu du début jusqu'à la fin. J'ai marqué tout le menu. J'ai marqué comment vous devez faire. Hein, à l'intérieur, donc dans ce menu, j'ai marqué comment vous devez faire, qu'est-ce que vous avez besoin, hein. J'ai besoin du butternut, un oignon, une pomme, un orange. Je construis des immeubles. Bon. Je suis architecte. C'est comme je vous ai montré, hein, là. Hein. Donc, vous avez besoin d'une courge, une orange, une pomme. Une carotte, ils en avaient mis deux, moi j'ai mis les deux au lieu d'en mettre une seule. Un oignon rouge. Je bosse pour l'ONG qui gère cette orphelinat. Deux cubes. Bon ben je vous reprends ma vidéo. Je l'ai dit au revoir. Donc je reviens. Donc sur la recette, vous avez besoin d'une courge, d'une orange, d'une pomme. D'une carotte ou deux, ça c'est votre choix. Alors d'un oignon rouge, de deux cubes de bouillon, moi j'en ai mis qu'un. Une gousse d'ail et alors du gingembre. Il y avait deux petits morceaux de gingembre. Ceux que je vous ai montrés, eh ben, je les ai mis tous les deux. On demande aussi qu'il faut mettre logiquement. Bon, je vais vous dire les ingrédients qu'on doit mettre logiquement et ce que moi j'ai pas mis. Hein. Alors, de l'huile, deux cuillères d'huile d'olive, ça c'est ce que j'ai mis. Un litre de eau, c'est ce que j'ai mis aussi. Du poivre, j'ai pas mis. Et alors de... Du cayenne, j'ai pas mis non plus.
De toute façon, tout est marqué dans la recette. Tout est marqué ce que vous avez besoin, hein, de comment vous devez couper, qu'est-ce que vous devez mettre du début jusqu'à la fin. J'ai mis toute la recette qui était ici, j'ai tout mis dedans, comme ça vous avez. Ainsi, ce sera quand même du bon menu pour vous. Ainsi, vous savez essayer et vous savez le faire. Ou si je vous ai montré les légumes là maintenant, mais pas la recette. Pas la recette. Bon, moi je vais vous laisser et car je dois encore faire cette vidéo aussi, mon retour de course aussi, j'ai pas fini, j'ai plus deux vidéos à faire. Et oui, le retour de course que vous aurez, hein, plus cette vidéo aussi. Et on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo, prochaine, tout ce que vous vouliez. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de faire tout ce que vous devez faire. Vous, bons citoyens, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, hein, pour vous dire non plus. Et voilà, voilà, voilà. N'oubliez pas non plus de temps en temps me venir me voir sur Instagram. Après tous ces Skype et ces conf calls. Allez. Quelle joie de te rencontrer. Moi, je vous laisse. Et bonne journée à tous. Et faites attention à vous. Protégez-vous. Allez. Bisous à tous. Passez une bonne nuit. Bonne journée ou bonne soirée, tout ce que vous voulez. Tout dépend à quand vous prenez la vidéo. C'est toi, l'Arlène, la grande architecte de demain. Tes études de ski.